Je te montre comment faire sur un dessin un effet de bug, un effet de glitch. Tu vas voir, c'est très simple. En plus, ça marche très bien avec l'araignée de Spider-Man. Pour ceux qui ont vu le dernier Spider-Man, vous savez à quoi je fais référence pour dessiner une belle araignée qui bug, qui vient d'une autre dimension. Donc en fait, vous dessinez de base une araignée noire sur votre feuille. Après, vous prenez un feutre rouge ou d'une autre couleur et vous repassez sur le dessin, mais d'un certain côté. Là, je repasse tout le dessin du côté gauche. Ensuite, vous allez changer de feutre, vous prenez la couleur complémentaire. Donc là, je vais prendre un bleu et vous repassez pareil de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, je vais colorier en fait du côté droit du dessin. Et à la fin, on va avoir un effet glitch en fait sur le dessin, un effet de bug. Après, vous pouvez rajouter des petits effets en plus, mais là, franchement, c'est le plus simple et ça suffit amplement pour avoir ce petit effet visuel de bug. Et en fait, ce qui vous permet d'avoir une belle araignée où vous avez